À l'issue de la cérémonie scellant l'IVG dans la Constitution, le président de la République Emmanuel Macron a vivement condamné les rumeurs transphobes visant son épouse Brigitte, qualifiant ces allégations de fausses informations et de scénarios montés. Le chef de l'État a exprimé son indignation face à ces rumeurs lors d'une déclaration à l'AFP après la célébration solennelle. Il a dénoncé le fait que ces fausses informations puissent influencer les gens et les perturber même dans leur sphère privée. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, des théories conspirationnistes circulent régulièrement sur les réseaux sociaux, affirmant que Brigitte Macron, née trogneuse, serait en réalité une femme transgenre nommée Jean-Michel à la naissance. Ces rumeurs ont également été associées à des accusations de pédocriminalité portées contre la première dame. Emmanuel Macron a appelé à l'utilisation du droit et de la justice pour lutter contre ce machisme, soulignant la nécessité du renforcement de l'ordre public numérique sur les réseaux sociaux qu'il a qualifié de lieux d'expression les plus fous, encore sans règles. Deux femmes seront jugées en mars 2025 au pénal à Paris pour diffamation après avoir diffusé des rumeurs transphobes sur l'épouse du président selon une source proche du dossier. Pour rappel, des personnalités telles que l'ex-première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et l'ex-première dame américaine Michelle Obama ont également été visées par des rumeurs similaires en 2017 et 2018.